oui, parce que ça a été pratiquement 12 mois de préparation et de compétition. Donc, on sait très bien que le top 14, plus la Coupe d'Europe, c'est quand même des saisons très longues en France. Et donc, voilà, ça a fini bien de couper 4 semaines. Là, on a 2 semaines sur site, c'est-à-dire au Levezou, à Castres, où on va travailler autant physiquement que linguistiquement, puis partir en stage la 3e semaine à Saint-Lary. Et ensuite, attaquer les matchs amicaux avec un déplacement à Montauban pour change Diarra et un match contre le Connarc qui sera 10 jours avant le premier match championnat, le 3 septembre, au Racing. On sait très bien que le top 14 est très dur, de plus en plus dur. Donc le calendrier, on commence à l'extérieur puisqu'on avait fait une demande par rapport au terrain hybride de Pierre Fabre, qui est en fin de livraison, on dira, mais voilà, après, on sait très bien que c'est un championnat qui est très dur, donc n'importe quelles oppositions ont été compliquées. C'est une poule pas plus corsée que la saison dernière, on avait le Munster et les Harlequins, c'est deux belles équipes, une anglaise, une écossaise, donc on est quand même satisfait de la proximité des rencontres, puisqu'on aurait pu partir un peu plus loin, mais voilà, c'est deux rencontres qui vont être super intéressante puisque l'équipe d'Exeter est une des meilleures équipes anglaises avec beaucoup d'internationaux notamment anglais et Edinburgh c'est la moitié de l'équipe d'Écosse. Ouais, c'est des jeunes joueurs français qui sont passés par la sélection nationale en moins de 20 notamment. C'est des joueurs pour la plupart d'ailleurs qui ont été champions du monde junior, qui ont joué avec déjà Flo Van Lemberg ou Antoine Zegdar par exemple ici à qui joue déjà ici à Castres, donc voilà, donc c'est des joueurs qui étaient dans leur club, des joueurs importants en Pro D2, qui ont beaucoup joué en Pro D2 aussi, qui ont pu enchaîner entre entraînement et match, et ce qu'on voulait, c'est récupérer des joueurs voilà, robustes, capables d'enchaîner entre le top 14 et la Coupe d'Europe, puisque c'est des saisons marathon, donc voilà, c'est... Ça, ça nous intéressait. Puis il y a la jeunesse et la motivation de ces joueurs-là qui ont par le biais de Castres une chance d'évoluer dès cette saison en top 14 et de se montrer au plus haut niveau français. C'est différent. C'est un joueur qui était sur la liste des chômeurs, qui était à Toulon la saison dernière, qui n'a pas été conservé, mais qui a une ambition forte à 33-34 ans de disputer la Coupe du Monde 2023 en France. Et donc, sa polyvalence et son expérience du très haut niveau nous a séduit, je dirais, plus sa motivation. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a vraiment un objectif pour finir sa carrière et il sait très bien que ça passera par une grosse saison avec le Castres Olympique pour pouvoir essayer d'atteindre la Coupe du Monde 2023.